À l'occasion de la sortie de son dernier album, Claudio Capeo est de retour sur le devant de la scène pour le plus grand plaisir de ses fans. Dans cet album, intitulé Penso a te, l'ancien candidat de The Voice se reprend les plus grands classiques de la chanson italienne avec des titres de Zucchero, Senza una donna, Paolo Conte, Via con me, Eros Ramazzotti, Sebasta se una canzone, ou encore Lucio Dalla, Caruso. Dans une interview accordée à Télé 7 jours, le chanteur alsacien revient sur certains clichés qui collent à la peau des Italiens comme celui selon lequel ils sont tous des séducteurs, « Mon épouse me reproche de trouver que toutes les femmes sont belles. » Mais si est-il vrai, surenchérit le chanteur avant d'ajouter, « Mon père, qui a 82 ans, a toujours besoin de draguer gentiment. » Rire, les compliments, ça fait toujours plaisir à ceux qui les reçoivent. Claudio Capeo très fidèle à sa femme, Aurélie un petit défaut que sa femme, Aurélie, dont il partage la vie depuis 18 ans, semble accepter puisque parallèlement, le chanteur d'origine italienne a déjà confié être très fidèle. Dernièrement, Claudio Ruculo de son vrai nom avait même fait une belle déclaration d'amour à la mère de ses deux garçons dans l'émission « Ça fait du bien », d'Anne Roumanoff, diffusée sur Europe 1, « Je l'aime trop et puis on est confident, on est amis, on est potes, on se déteste, on s'adorait et puis voilà, ça se passe bien ».